n'est pas facile, c'est la raison. Bien, ça passera du premier décret au deuxième. Voilà, madame la journaliste, on y va. Hello guys, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Alors aujourd'hui c'est lundi, ça fait longtemps que j'ai pas commencé un weekly vlog le lundi, yay, on applaudit pour l'effort, merci. Alors aujourd'hui c'est lundi, je cours dans tous les sens parce que je n'ai même pas encore commencé à monter le weekly vlog qui était censé sortir hier. Donc c'est un peu chaud, j'ai envie de mettre au feu au moins le haricot et le poulet, tu vois, parce que j'ai envie de faire poulet, poisson, haricots. Poulet, poisson, je vais voir ce que je pourrais en faire plus tard. Ça peut être avec des légumes, ça peut être avec une sauce, mais je veux d'abord que ce soit cuit et assaisonné. Assaisonné et cuit, au moins pour le poulet, assaisonné pour le poisson et tout, que ça puisse bien mariner. Et voilà quoi, je suis allée au marché, j'ai fait les courses, rien de spécial. Je vais vous montrer peut-être au fur et à mesure. Mais déjà là sous mes yeux il y a ce petit set que j'ai pris chez Carrefour Market que j'adore totalement. C'est 4 louches en bois comme ça. Mon ancien louche en bois, pour ceux qui regardent savent que c'est déjà cassé. Donc j'ai racheté ce set à 2000 et quelques. J'ai aussi pris un autre. Bref, j'ai pas la tête à faire oh là où je suis là. C'était seulement pour vous saluer, pour ouvrir le vlog. On va préparer ensemble, ok. On va assaisonner le poulet et le poisson ensemble. C'est vrai que je suis à la bourre mes gars. Donc là, je suis en train de réchauffer le mets de pistache. Il y a mes pistaches là que j'ai ici là depuis. Et je vous ai même pas montré. Ah oui, je vous ai montré la poêle c'est que j'ai acheté. Donc ça, c'est un mets de pistache que j'ai ici là depuis. Je suis en train de réchauffer ça pour manger. Je pense qu'on va se retrouver dans la marmite à présent. Ouais. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Venez également me rejoindre sur mes différents réseaux Facebook, Instagram, TikTok. Je suis active là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici sur YouTube. Et likez la vidéo d'entrée de jeu. Okay? Ici, on like la vidéo d'entrée de jeu. Donc j'étais à Carrefour, j'étais au supermarché, je suis en train de réchauffer de la bouffe. Malika va bientôt rentrer. Bref, on repart ensemble. J'espère pouvoir avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire en cuisine aujourd'hui. On se dit à tout à l'heure. Ok, ok. Loving you.
C'est jeudi matin, c'est déjà le matin. Franchement, je suis dégoûtée. Hier, je courais dans tous les sens. Je suis arrivée chez ma cliente, il n'y avait pas d'électricité. Je crois que je vous ai dit que j'avais une cliente hier pour le maquillage, c'était son anniversaire. Je l'ai maquillée, je suis arrivée, il n'y avait pas d'électricité. Heureusement que ses copines étaient là comme ça en train de tenir les torches. Elle ne voulait même plus en fait se maquiller, elle était déjà découragée. C'est moi qui lui ai dit non, c'est quand même ton anniversaire et puis tu vas sortir comme ça et tout. Est-ce que tes copines peuvent nous aider à arrêter les torches? Donc elle-même, elle avait sa torche comme ça, elle avait deux de ses copines qui arrêtaient les torches. Et puis moi-même aussi, de temps en temps, j'utilisais ma torche et tout. Bon, on a fait comme on a pu, son maquillage a quand même donné quelque chose d'intéressant et tout. Ouais, donc après ça, comme je devais sortir, je suis revenue ici vite fait. Ouais, pourquoi je dois avoir la voiture? Je suis revenue ici vite fait pour laisser les affaires. Et puis je suis ressortie, j'étais à l'atelier, au restaurant l'atelier. Franchement, c'est un joli petit coin, vraiment super cool. J'aime beaucoup ce coin là, finalement. Je suis déjà allée là-bas une fois. Je suis repartie là-bas. Donc c'est ça pour ça. Et là maintenant, ce matin, je suis franchement dégoûtée. J'ai même pas pu vous montrer l'outfit que j'ai concocté. Ça me dégoûte. Mais bon, bref. J'adore mes maîtresses. Mon visage brille comme ça parce que je viens de mettre mes produits de skincare. J'ai viré mon SPF de ma routine parce que je le soupçonne d'être responsable de mon visage terne en fait. Je le soupçonne, je suis pas encore sûre. En tout cas, on va voir comment ça évolue. Aujourd'hui, c'est du montage, montage, montage. Il y a encore plein de désordres ici pour vous dire. J'ai même honte. Mais je me suis bien réveillée. Je me suis réveillée de super bonne humeur. Sauf que j'ai rien foutu depuis que je me suis réveillée. Je suis là, je scroll, je snap, je scroll, je snap. Which kind of sucks, ok? Mais aujourd'hui, c'est montage, montage. Je dois monter 3 vidéos aujourd'hui, faire des voix off aussi. Ouais, c'est beaucoup quand même. Donc, il faut que je m'y mette. Mais il faut d'abord que je range la maison, je balaye le sol, au moins ça. Et voilà quoi. J'espère que vous aimez le vlog jusqu'ici. Demain c'est quoi? Demain c'est vendredi. Il y a quoi au programme demain? Demain normalement je dois sortir avec Caro. Donc il faut que dès le matin que je... Bref, j'arrête de parler. Et voilà, je vais essayer de ranger la maison. On va ranger la maison ensemble. Il faut qu'on range la maison ensemble. Je pense que ça me motive. Ouais, let's go. Je te demande ce que c'est que ça. J'étais en train de faire frire le poisson l'autre jour et l'huile a sauté sur moi. Donc c'est à ça que ça ressemble. Attendez, je vous montre. L'huile a sauté sur moi, donc ça m'a laissé les taches-ci. Hey guys, bonjour, je sais même pas quelle heure il est comme 15h et on est vendredi déjà. Je suis en train d'aller acheter le soya parce que franchement, parfois tu penses que tu déprimes alors que tu as seulement faim, tu vois. En début de semaine, j'avais mes règles, donc j'étais vraiment fatiguée. Tout ce que vous avez vu de moi en début de semaine, là, je forçais seulement, franchement, j'étais dans un forcing extrême, tu vois. Et du coup, ça fait que j'ai pas préparé la bouffe de la semaine. J'ai fait juste un repas. Et voilà. Du coup, là, je suis coincée. J'ai envie de manger. J'ai pas envie de cuisiner. Je suis en train de faire les montages depuis le matin. J'ai terminé le montage d'une vidéo. Je l'ai mise en ligne. Bon, beaucoup de scrollage aussi, j'avoue. Beaucoup de scrollage. Mais bon, bref. Là, je suis en train de vouloir aller acheter le soya. Aïe, j'ai même pas de monnaie.
Et j'ai même pas une seule pièce pour prendre le taxi pour arriver là-bas. Et mais comment j'ai fait ça? Je sais pas comment je vais arriver là-bas. Vrai, de vrai, de vrai. Je ne sais pas comment je vais faire. Parce que là, je n'ai aucune pièce. Zéro pièce. Zéro petite monnaie. Donc, j'ai trop mal géré. Ouf, ok. Donc, on y va. On y va, on va y aller ensemble. Je vais acheter ça et puis je reviens manger et puis je continue mon montage. Ce soir, alors ce week-end, c'est le week-end du Ndem. Bon, j'ai pas envie de dire ça. God forbid, ok. Mais j'avais un programme super intéressant pour demain samedi. Sauf que les gens décalent les choses. Donc tu bookes quelqu'un pour un truc. Tu ne payes même pas d'abord la personne, first of all. Tu bookes la personne pour quelque chose. Et tu te permets de décaler sans informer la personne à l'avance. Il faut que la personne... Parce que moi, à quelques jours de l'échéance, là, j'aime bien être sûre que tout est toujours en place, tu vois. J'appelle, enfin j'écris pour demander si tout est toujours ok. C'est quoi les horaires exacts et tout. C'est là qu'on me dit non, ce sera plutôt dimanche, machin. Oh ouais, non, non, non. Moi, je planifie mes semaines minimum une semaine à l'avance, tu vois. Donc, j'ai dit, ça ne peut pas le faire. Dimanche, c'est pas possible. Dimanche, je fais mes trucs, je m'occupe de ma fille, je vais pas la chercher et tout, et tout, et tout. Et aujourd'hui, je devais sortir avec Caro. Mais aujourd'hui, c'est férié. Et du coup, quand c'est férié, elle a beaucoup de travail. Donc, ça fait que, voilà, un autre programme à l'eau. Et bref, c'est chiant. Je vais aller manger mon soya d'abord, first of all, parce que tout ça, là, ça m'énerve. Je voulais aller faire maison chez ma soeur. Elle n'a pas réagi à temps et elle me dit qu'elle ne sera pas là. Ça va chauffer comment mon père? Hey guys! Donc, je viens de me laver. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure que j'avais l'intention d'aller au cinéma. Ouais, j'ai l'intention d'aller au cinéma aujourd'hui. Je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure aussi que pratiquement tous mes plans de cette journée sont tombés à l'eau, voire même de ce week-end. Ok, donc je pars au cinéma pour m'entertainer un tout petit peu et tout et tout et tout. On va y aller ensemble. Le film en question, franchement, c'est l'une des... Je sais même pas comment je vais qualifier ce que je suis sur le point de faire là, parce que clairement, le film là ne m'intéresse pas. Je vais même voir ce que ça fait d'aller au cinéma toute seule pour regarder un film qui ne t'intéresse pas. Mettons ça sur le compte d'une expérimentation vraiment. Je sais pas si je vais me maquiller. Peut-être je vais juste cacher mes taches. Ces jours-ci, vraiment, je crois que j'ai besoin de laisser mon visage respirer parce que là, mon visage est comme brûlé. Brûlé de chez brûlé.fr. Je sais pas si vous pouvez voir ici. J'ai comme un contouring naturel ici, là. Like, it is crazy. Je comprends pas. Mais bon, bref. C'est juste un détail. Est-ce que je mets mon sérum? Je crois que je vais faire ma skincare directement quand je vais rentrer. Là, je vais seulement un peu hydrater avec ce truc ici, là. Sérieux. Comme je me disais, j'ai arrêté de mettre mon écran solaire. J'ai toujours pas mal d'hyperpigmentation sur mon visage, mais j'ai comme l'impression que c'est en train de s'estomper. Franchement, j'ai pas envie de croire que c'est l'écran solaire là pendant tout ce temps qui m'a fait cet effet sur mon visage. J'ai même pas envie de croire ça. Bref, je vais m'habiller tout simplement. Je vais mettre ce collant. Si je l'ai mis à la machine et il est sorti bizarrement. À quand les habits de qualité accessibles? À quand? Et quand on dit accessible, c'est même pas en termes de prix, hein. En termes de où tu peux trouver. Crazy. Ouais, ça n'a plus de sens. Les traces qu'il y a dessus là, je sais pas si c'est parce que
Ça ne s'est pas bien rincé dans la machine, mais... Là, là, je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je vais essayer de relaver ça à la main et puis je vois ce qui se passe. Donc voilà l'outfit, hein. C'est tout simple comme ça. Et puis je vais mettre ça. Je crois que c'est propre. Ouais, je vais mettre ça. Tout simplement, je vais me maquiller un peu. Et puis je crois que c'est tout. Je vais aller comme ça. Je ne veux pas me prendre la tête non plus. Et là, je suis même déjà en retard. Je suis déjà un peu en retard, oh, vraiment. Tout ça un peu comme ça. Ouais, on adore. Voilà un tout petit peu le truc. If you can see. Je pense qu'il va falloir que je me maquille un peu pour spice up tout ça parce que là ça fait trop sport simple et tout. Ça me dérange pas mais... Franchement si vous voulez pas me voir tous les jours avec quelque chose, ne m'achetez pas le noir. Vraiment. Si vous voulez pas me voir tous les jours avec un même truc, ne m'achetez pas ça en noir s'il vous plaît. Achetez-moi ça en une autre couleur. Parce que là j'abuse là. Clairement j'abuse avec ce sac, j'abuse avec cette chaussure, j'abuse avec ce leggings, j'abuse avec tout. Je vais juste masquer un tout petit peu mes dents. Je vais faire un peu mes sourcils. Et je serai partie. Comme j'ai encore mes faux cils là, je pense que ça peut le faire comme ça. Ouais. Here am I. Je suis prête. Je sais pas si vous pouvez voir le petit make-up que j'ai fait. Petit baby hair. Mon miroir est sale, ça c'est sûr. Mais bon, voilà le petit outfit. Si vous pouvez voir, le miroir c'est sale. Oh my god. Donc on va y aller, je vais partir avec le téléphone comme d'habitude. On se dit à tout à l'heure. Matin déjà, hier je suis partie au cinéma. Franchement, je sais pas, c'est ma première fois de regarder un film d'horreur. Non, c'est ma deuxième fois de regarder un film d'horreur depuis que je suis adulte. Normalement, moi je sais depuis toujours que les films d'horreur. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Normalement, je sais depuis toujours que les films d'horreur, c'est pas ma tasse de thé. Et le film d'hier là, franchement, c'était pas intéressant. En fait, je déteste les films où tout est sombre. Où, franchement, c'est absolument pas mon kiff. Et quand je suis allée seule, je m'ennuyais, je suis rentrée avant le temps, pour vous dire. J'ai pas fini le film, je suis rentrée avant le temps, j'étais fatiguée, je me suis couchée. Là, je suis sur le point d'aller en cuisine. Je dois également monter mon weekly vlog aujourd'hui. Donc, il est déjà 9h.
faut que j'aille en cuisine, que je prépare. Je vais vous parler un truc vraiment inhabituel today. J'ai le poulet, j'ai le poisson. Je vais juste faire les légumes et peut-être les frites de pommes aussi, en fonction de comment je me sens. Parce que vraiment, quand je suis seule comme ça là, il n'y a pas de motivation. Zéro motivation. Donc, on va faire ça, on va aller en cuisine, on va aller ensemble, on va parler ensemble. Je vais vous montrer ce que je fais. Franchement, c'est quelque chose qui est super, super, super bon. Vous m'avez vu tout à l'heure dans le taxi, j'étais en train d'aller au marché pour acheter des mèches vu que j'ai une cliente qui va venir demain. Ouais. Donc c'est ça, là on a coupé le courant, franchement, du grand n'importe quoi. Heureusement que j'ai pas grand chose à faire. Au pire, quand je vais finir de préparer là, au pire, là, moi je vais aller monter ailleurs. Hein. Si je finis de préparer là, le courant n'est pas revenu, je vais aller monter ailleurs clairement. Donc j'ai une heure maximum en cuisine, grand max, grand max, une heure. 15 en cuisine, parce que ce que je vais faire là, c'est pas compliqué. Le poulet est prêt, le poisson est prêt, je dois juste découper les légumes, mélanger et peut-être découper également les pommes pour faire les frites. Donc j'ai pas grand chose à faire le soir, donc voilà, let's go en cuisine now. Ok, donc pour ma recette, j'ai besoin essentiellement des légumes. Ok, le frigo est complètement trempé, ils ont coupé le courant depuis. Et oh god, on a ça. Attendez, je vais vous montrer. Je sors tout ça et puis je vous montre ça aussi. Encore Eneo. Oh, c'est pas possible. Hein. C'est terrible, ça aussi. Oh là là, je vais prendre demi-oignon. Pas d'autre encore. Ça là, il faut que je trouve un moyen de manger ça là parce que c'est en train de se gâter. Mais laisse tomber. Oh, j'ai besoin de ma sauce de poulet. J'ai besoin de haricots verts, beaucoup de haricots verts. Je comprends pas, le plantain ici, il veut pas. Il veut pas mûrir en fait. J'aurais pas dû le mettre au frigo peut-être. Mais normalement, à chaque fois que je mets le plantain au frigo, ça mûrit normalement. Mais celui-ci là, il est rebelle. J'ai besoin d'ail aussi. J'ai besoin d'ail. C'est tout ce dont j'ai besoin ici. Ici en bas, j'ai besoin de mon poulet et de mon poisson. Me voici qui fuit le soleil et le soleil est en plein dans ma cuisine. Crazy. Donc c'est bon, géré. Give you my jacket, think I'm the perfect guy, barely know you, but all that's on my mind is the feeling of you and I get ahead of myself sometimes. How did one night become a whole damn week? All the red flags I didn't wanna see, now questioning you and I, way too ahead of myself sometimes. What a way to pretend I'm still asleep, feel so where this goes, I'm no good for you.
Ok guys, je viens de finir de préparer. Je me suis directement apprêtée parce que je vais partir, il n'y a pas d'électricité ici. Donc moi je vais partir, voilà mon sac, voilà mon outfit. C'est un ensemble, voilà, tout simplement. Je vais partir et puis je vais essayer de faire le maximum. Je vais manger là-bas du coup, tranquillement, au calme. Donc une fois que je vais mettre dans l'assiette, je vais vous montrer. Ma soeur nous a fait le déballage. Voici mon déballage. Ici mon déballage. C'est là que j'ai. Il y a beaucoup de pantalons, de haut. Mini chou. Non. Laisse ça là. Voilà tout le déballage. Hey guys. Alors aujourd'hui c'est dimanche déjà. Je suis chez ma soeur. J'ai même pas encore fait le week-end de Twitter. Mais ça s'est bien passé. Elle nous a fait un petit déballage. C'est quoi ça en haut? Se lo fa tutto.
guys, alors c'est plusieurs jours après. Là, je suis en train de sortir. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notif pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Alors, en ce qui concerne ce que j'ai fait hier, je suis allée au restaurant sénégalais parce que j'avais grave envie de manger le riz sénégalais. Il n'y avait pas le riz sénégalais. J'ai pris un truc qui était absolument pas bon. Après, comme vous avez vu, je suis allée prendre une glace. Ania, c'était tout. Je suis allée chez ma soeur et elle a fait un vide dressing. C'était top. On s'est éclaté, comme vous avez vu. J'ai pris les vêtements. On a partagé un petit moment. On a mangé. Et puis voilà, c'était super top. Je suis rentrée à la maison avec Malika. On était fatiguée et on a dormi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.